sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous partons dans le Var. Nous allons survoler la calanque de Port-d'Alon, située entre Saint-Cyr-sur-Mer et Bandol. Vous voulez toujours me suivre sur ma chaîne Laurent Collard, mes vols de drone? N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Allez, au revoir, merci. À bientôt. Ombragé par une pinède, plantée de bosquets de chênes verts, d'agaves et de figuiers de Barbarie, la calanque de Port-d'Alon a préservé toute la magie des paysages du sud de la Provence. Ici, le chant des cigales s'accorde avec le murmure des vagues. L'ombre des pins d'Alep et la douce brise marine ne rendent que plus agréable encore la chaude lumière du soleil. La plage de Galet, qui se niche au fond de la calanque de Port-d'Alon, peut accueillir votre serviette pour la journée. Vous pouvez aussi vous retirer plus à l'écart sous les arbres. De grandes étendues planes offrent aux enfants d'autres terrains d'aventure à explorer. Côté mer, c'est toute la beauté de la Méditerranée qui vous attend. La baignade est l'activité préférée de nombreux touristes. Vous pouvez aussi vous initier au snorkeling ou à la plongée sous-marine. Des randonnées palmées sont aussi organisées en saison à la découverte de milieux marins. La calanque de Port-d'Alon est un point de départ du sentier du littoral. Ses rives ombragées par les pins accueillent les marcheurs sur des rochers chauffés par le soleil. C'est un véritable joyau naturel dans un écrin méditerranéen.